je veux dire, ça c'est vraiment le style, ça me rappelle. Waouh! Ça fait longtemps des années que j'ai pas revu ça, dis-donc. Tristement, 100% de ça n'existe plus en fait. C'est beaucoup 100% quand même. Non, non, évidemment que mes parents n'aimaient pas du tout ce que je faisais au niveau graffiti, parce que évidemment c'était contre la loi, et puis bah, c'est dangereux, on risquait notre vie tous les jours en fait. Et donc elle n'était pas du tout contente. Maintenant j'étais tellement motivé que tu pouvais, malgré l'âge, 13, 14, 15 ans, tu pouvais rien me dire à l'époque. Et puis je crois que c'était pas juste moi, c'était notre génération, on était tellement passionnés de ça que. Et à la limite, plus tu nous disais de pas le faire, que ce soit l'école, l'État, les parents, enfin, et plus on avait envie de le faire. C'est encore le côté rebelle de la jeunesse. Mes parents ont été obligés d'accepter parce qu'ils ont vu que de toute façon, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, que j'avais envie de faire et que je continuerais quoi qu'il se passe. Je crois qu'ils ont reconnu ça comme étant quelque chose qu'il fallait plutôt aider, pousser. Qu'essayer de combattre, parce que de toute façon combattre une passion, c'est pas déjà c'est pas bien, et ensuite je pense pas que ce soit possible. Ça c'est vraiment une pièce importante, en tout cas pour moi. C'est pas ma première réalisation à partir de bombes de peinture, mais celle-ci elle est importante pour plusieurs raisons. C'est concrètement fait qu'avec des bombes de peinture, il n'y a aucune peinture ajoutée. C'est des bombes de peinture qui sont coupées et qui sont aplaties. Il y a tout un travail en amont de recherche des couleurs et tout. Et ce qui est fabuleux avec les bombes de peinture, c'est que elles sont toutes différentes à l'intérieur. Il y a comme une empreinte, il n'y en a pas deux pareilles. C'est un peu comme les êtres humains, j'aime bien la métaphore. Et je joue évidemment le drapeau américain parce que le graffiti, c'est une forme d'art américaine, tout comme le jazz. Et pour moi, je suis américain aussi. Et je voulais vraiment rendre hommage. Au pays, mais aussi à la forme d'art qui est le graffiti et qui est donc le street art, etc., en n'utilisant que des bombes de peinture. Et toutes ces bombes de peinture, elles ont toutes servi à quelque chose à un moment ou à un autre. Je ne sais pas qui c'est qui a utilisé celle-ci. Ça, c'est peut-être la mienne, parce que j'ai des amis artistes qui me les donnent. J'utilise évidemment les miennes. Et tout ça, ça contribue au mystère. Elles ont toutes une histoire et une vie, comme les gens qui les ont tenues. Et plutôt que de les jeter dans la poubelle, comme malheureusement ça se fait souvent, et je trouve que c'est magnifique la texture, tu pourrais pas le faire même si tu essayais. Là, on s'éloigne du graffiti, mais en fait, c'est exactement ça l'essence même. C'est de créer des choses, de faire vibrer les gens. Les gens, ils sont. Les étoiles, bah, elles sont évidemment faites avec le haut des bombes de peinture. Donc il y a un effet de surprise. Il y a un réel travail d'organisation. Et ce qui est intéressant, c'est que, si tu veux, ce genre de processus, ça va un petit peu à l'encontre de ce que moi, je fais un peu habituellement. C'est-à-dire que ma technique de peinture, elle est très abstraite. Mais ça, il y a quelque chose qui me plaît parce que la peinture elle-même, dans la bombe de peinture, c'est très très abstrait. Donc en fait, moi je les prends, je les organise et je crée quelque chose avec. Mais en fait, mais ça c'est la vie, c'est la bombe, c'est en fonction de la position dans laquelle elle a été qui a créé ça. Moi je viens dans un second temps pour lui donner une seconde vie et parce qu'on n'a pas toujours cette chance. Comme je disais, 90% de mon travail qui a disparu, donc j'aimerais bien que ça disparaisse pas.
ça me rappelle les débuts où t'es jeune, tu t'essayes, tu le côté, la camaraderie entre potes, y a pas de business, c'est pas pour le business. Tu vas pas à l'église, tu vas peindre, c'est une communion ouais, avec, elle est une expression. Au début du graffiti, c'était un peu ça, je faisais mon truc et c'était vraiment juste pour moi, c'était égocentrique. Alors que maintenant, il y a un processus qui est plus de partage. J'adore travailler avec d'autres artistes, j'adore travailler dans des lieux différents, que ce soit une galerie à Miami ou un mur en Espagne. Ou, tu vois, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que grâce à ça, tu parcours le monde, tu rencontres des nouvelles personnes et puis surtout, tu te découvres. Je prie pas, mais je peins. Et par rapport avec ma peinture, j'ai fait une fresque récemment qui a touché beaucoup, beaucoup de gens. Je savais que ça allait être un sujet. C'était pour des artistes qui sont décédés. Et donc, forcément, dès que tu rentres dans ce genre de domaine, et c'était. J'en étais très, très humble. Au-delà des accolades, bravo, c'est beau, c'est incroyable, c'est bien fait, machin. Il y avait une vraie. Enfin, les gens sont venus et avec les larmes aux yeux, quoi. Tu vois. Donc, c'est une forme de d'art qui s'est vraiment développée en ville parce que la ville, c'est une toile. Je veux dire, tu peux peindre partout, tu peux faire ce que tu veux. Donc c'est évident que ça fonctionne. En plus, Paris, bon, bah, Paris, la région Paris, c'est un bel endroit, mais il y a aussi, c'est très grand, puis c'est tout nouveau tout ça. Donc à l'époque, il n'y avait pas de loi donc qui gérait. Donc forcément, à un moment ou à un autre, tu vas trop loin et t'en fais un peu trop, et forcément à un moment ou à un autre, tu te fais attraper. C'était plutôt lourd, surtout que c'était le jour de l'anniversaire de ma mère. Donc 20 et quelques 25 ans après, on en rigole maintenant, mais comme je lui dis souvent, je suis pas allé à l'école d'art. Moi, mon école, c'était dans la rue. Donc finalement, les amendes, les petits problèmes, c'était une forme de d'apprentissage. Il y en a qui vont aux écoles d'art et qui les payent. Bon, moi, je vais un peu payer d'une autre façon. Mais c'est un peu l'apprentissage sur le tas. C'est une pièce, donc c'est Salvador Dali qui est en cours, elle n'est pas tout à fait finie, mais c'est cette technique, donc tout ça c'est 100% à la bombe de peinture, et c'est une technique en fait de goutte, de trait. En général je le travaille à plat, donc là j'ai 2-3, et puis de temps en temps il faut le relever pour voir si tu es sur la bonne direction, parce que quand tu travailles à plat tu ne vois pas toujours ce que tu fais. Donc c'est ce que j'appelle can pressionism, can parce qu'en anglais ça vient, c'est la bombe de peinture, can. Mais ça rappelle étrangement la technique des impressionnistes qui, comme ça, de près, tu voyais toutes ces gouttes de couleurs, où c'est, en l'occurrence, c'était avec des pinceaux. Mais moi, c'est de la goutte et du trait, parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec la bombe. Et du coup, ça te crée l'image. Donc, de près, c'est très abstrait, c'est très. Voilà, ça se look un peu. De texture, et puis bon, dès que tu recules, tu te rends compte évidemment de l'image qui est créée avec cette technique. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelques années. En fait, je m'aperçois que déjà à la fin des années 80-90, je me faisais plaisir à acheter de la peinture, à faire des gouttes, etc. dans mon travail, sauf que maintenant, je suis en mesure de l'organiser beaucoup mieux, même si c'est très 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 c'est pas toujours évident, parce que la façon dont c'est travaillé, puis il y a beaucoup de pression et
ça, c'était une installation pour un musée à Houston en 2013, et c'était que du tag, de l'écriture, de la goutte, qui est tout à la bombe et au marqueur. J'ai commencé évidemment par faire beaucoup de textures, recréer un effet de rue, puisqu'on était en intérieur dans un musée, ce qui en général c'est très propre, très lisse, et je voulais absolument peindre sur une texture, dans une ambiance qui reflète un petit peu le travail que tu fais dans la rue en fait. Il y a une grosse partie d'improvisation, il y a une grosse partie de se faire confiance et d'espérer que l'image évidemment elle va rester propre à l'image de départ, mais tout en amenant quand même un côté artistique, une vision, une interprétation artistique. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas vraiment de recréer photoréaliste, réalistique image comme on dit. Il y a des gens qui le font bien et puis ça, moi ça n'a jamais été mon approche depuis les débuts. J'aime bien mettre ma touche et puis amener quelque chose et puis surtout prendre le risque de créer quelque chose qui fonctionne, parce que ça ne fonctionne pas toujours. Tu corriges, tu mets plus de foncé, plus de clair, plus de ci, plus de ça, des lumières. Encore une fois, moi j'ai pas un enseignement classique, donc j'y vais complètement à l'instinct, complètement au feeling de l'image. C'est en fonction de ce qui se passe, de ce que je donne à l'image, l'image elle me renvoie quelque chose. C'est un peu comme une conversation où tu t'écoutes et tu te parles, et en fonction de ce qui se passe, tu t'adaptes et tu la corriges. On se prend un petit peu tous la tête sur plein de choses. Puis en fait, tu te rends compte que quand tu perds quelqu'un et quand... Ça, c'est pour de vrai. Un problème de fric, un problème avec une galerie, un problème sur ta peinture, mais tout ça, c'est pas grand-chose en fait. Et c'est triste de devoir en arriver là et de perdre des gens proches pour s'en rendre compte. Et du coup... En ce qui me concerne, moi je sais que malheureusement, ce genre d'émotion, ça m'inspire et ça me fait me lever le matin, quoi. Ça me donne envie de faire quelque chose de ma journée, de faire quelque chose d'important et pour moi, mais aussi pour les autres. Je crois que vraiment, quand tu fais ce genre de mur, tu te rends vraiment compte de la portée et de l'importance de l'art sur les gens. C'est aussi là où tu te découvres. C'est en payant des choses comme ça que j'ai maintenant besoin de peindre des choses qui ont de l'importance, enfin, qui ont pas juste des belles fleurs et des beaux couchers de soleil. Ça, c'est carrément pas possible, quoi.